Ils ont annoncé qu'ils ont procédé à l'arrestation de quatre personnes dans le cadre d'enquête qui a fait tout assassinat du président Jovenel Moïse le 17 juillet 2021. Ou bien deux tweets ou fait sous ça hier. Une là-dedans dit, pardon, reproduit et première page enquête de CPJA qui listait un paquet de monde qui ont été enquêtés et qui ont des responsabilités dans les assassinats et ça. Ou dit pas oublier, c'est non, ça y est, des CPJ, t'es premier indexé dans l'assassinat et président. En pile là-dedans, il y a aussi qu'il est libéré. Il y a une réunion avec Dr. Ariel Henry. Il y a une réunion avec Dr. Ariel Henry. Il a fait accord cocodaille politique. Il y a Boumé Il y a Akli. Il y a Bouvenet. pile non. Y a gouverné, pardon, merci beaucoup, y a gouverné à Cli, gain un pile dans oligarque corrompu, y a retiré dans le rapport, parce que y a été considéré, Montaïo, intouchable. Bon, mon petit explication sous ça, avant, nous allons poser l'autre question sous arrestation, ça, que vous considérez comme un pas ma cité décisif qui doit mener vers auteur intellectuel, Zak assassinat sous président Moïse. Merci un peu, Monsieur Alphonse, et pour les questions. En réalité, et tweet, et, cette cité-là, c'est un retweet lié, c'est un tweet que j'ai fait déjà, et puis mon retweeté. Et côté que j'ai retweeté, on série de monde que des CPJ étaient indexés clairement et dans le rapport, et puis jusqu'à présent, mon ça n'a pas inquiété. Or, on connaît que non système qui est à son fonctionnaire, qui doit fonctionner, c'est que et si on liste nos monde qui est indexé à tort ou à raison, n'ayons et cas non meurtre et non magnicide aussi grave. Donc la moindre des choses, c'est que vous attendez moun sa yo. La moindre des choses, c'est que vous êtes capable ou bien joindre élément à charge contre vous, ou bien vous joindre et vous joindre rien contre vous. Mais c'est une indifférence totale côté que moun sa yo a et même a signé un accord, c'est-à-dire rencontrer la communauté internationale, il a fait réunion politique, comme si et rien n'était, c'est comme si circuler, il n'y a rien à voir. C'est totalement inacceptable et pour nous, et je pense pour tout le peuple haïtien. Qui est-ce qui a signé un accord comme ce qu'il est en bas de blanc? Qui est-ce qui a fait référence en particulier? On a fait référence avec politiciens qui dans la liste et ou un barin lisa dans tête malade qui n'a liste ou un publié sur Twitter qui n'a pas soit leader politique ou bien qui n'a pas tête parti structure politique ou bien monde qui pas dans structure politique mais qui dans société qui gagne ça y est l'opinion et sur eux et puis qui là c'est en fait lisa public li connu donc moi pense que et parti enquête qu'a fait en Haïti a au moins et faut que enquêteur yo bail et tête yo et moyen et obligé tête yo et tant de moun sa yo et puis garder pour qui ça concrètement et reprocher moun sa yo qui niveau d'implication yo nan et la mort Jovenel Moïse. Maintenant, qui regard gain par rapport à DCPJ qui semblait être en avance dans le travail par rapport à la justice américaine et même bien que DCPJ enquêtait pour le compte de la justice, mais plus de 16 mois après, DCPJ semblait avancer plus vite que la justice lui-même dans l'instruction de ça, donc qui ça? Bon, et je pense que mon travail est important qui est fait dans DCPJ. Et je pense que DCPJ était quand même, ça nous gagne qui plus est potable dans l'appareil judiciaire. Là. Et je pense que mon paquet de jeunes femmes, jeunes garçons dans DCPJ, qui ont fait le travail de manière honnête. Et je pense que c'est quand même une preuve, enfin, on sorte d'encouragement pour les gens qui est totalement perdu espoir dans le système judiciaire. Là. Maintenant, nous t'as dit que l'IPATA sens étonnant que le DCPJ a avancé plus vite pour un meurtre, un président qui fait en Haïti. Et le DCPJ, c'est un bras d'enquête lié pour la justice. Donc, il t'apparaît normal. Maintenant, ça qui plus est problématique, c'est le nous garder pour nous, et ni chef poursuite là, ni. Enquêteur qui est sous dossier et dans la justice, pas nécessairement by suite à rapport des CPJ. C'est ça qui est problématique de CPJ, récolter ensemble d'éléments et à partir de l'élément ça,
la justice a supposé approfondir pour bailler peuple, bailler pays, bailler nation, vérité sur ce qui passé. Or, c'est pas ça qu'a fait, c'est très problématique. Gen plusieurs sorties que au monde dans dossier que je présentais comme un élément central, c'est monsieur Félix Badiou, et gen des commentaires tout monsieur Vitelhomme Innocent, chef gang Crazy Barrière au niveau Torsel. Fait et dans l'opinion gen des monde qui gen des compréhensions. Qui regard poser sous déclaration ça, qui analyse ou même monsieur Duvel. Et assassinat et Jovenel Moïse gagne une trajectoire, c'est ça que vraiment dit que son assassination lié dans le sens que en fait c'est tout un processus, c'est pas jouer entrer là qu'à Jovenel Moïse il aussi met balle sur lui, aussi met balle sur madame ni, c'est pas jouer en fait et assassinat était commencé, il gagne un antécédent ou antériorité et gon paquet individu qui ou bien des citoyens ont pour une raison ou l'autre été estimé que Jovenel Moïse et c'est pas de bon président que Jovenel Moïse en fait et pas à supposer et là bon et moun sa yo yo utilisé des moyens et nous t'a dit qui inacceptable des moyens et non conventionnels et non démocratie jusqu'à ce que yo arrive et atteigne objectif yo jodi a me pense que et tout moun comprendre que Jovenel Moïse en fait sont victimes. Jovenel Moïse, c'est takou yon agneau qui mole et moun ki sou pouvoir yo. Je dis, depuis un bon moment, nous songe moi-même, l'homme t'ap démissionné en tant que secrétaire général du Conseil des ministres. Moi, te dit clairement, gon ensemble d'éléments qui montraient que le premier ministre Ariel Henry gagne pour avec crime. Et élément ça yo ça pas veut dire que les coupables puisque nous non système non état de droit toujours gagne présomption d'innocence mais gagne un faisceau d'éléments qui supposait et obliger la justice en fait interroger et Ariel Henry. Nous pensons que dans tout processus côté t'a bloqué pays fait pays lock gon paquet monsieur dans opposition en fait les archives sont là qui est carrément demandé pour tout monde qui gagne zame porter coller et coopérer pour capable renverser Jovenel Moïse. Et là, ça a semblé que tout moyen était bon, y compris des alliances en fait avec des chefs de gang, t'as pour Moun et t'as pour Vitelhomme ou bien l'autre. C'est-à-dire en fait, c'est un combat armé que t'as mené contre Jovenel Moïse. Pour ce faire, il fallait distribuer des armes, il fallait recruter et ils l'ont fait. Ils ont distribué des armes dans le niveau ghetto pour être capable et pour mon gérer barricade yo campi barricade parce que nous pas compte si nous songer le pour qu'on a pu traverser son barricade et ces amis tu bal yo tire sous dans machine on vient on peut faire forcing pour passer c'est bal moi même gon on machine jusqu'à présent qui gagne et bal et trou bal là dedans parce que nous t'a essayé passer non barricade et quoi des bouquets donc nèg yo tire sous parce que yo dit fait pays lock donc et ensemble de et méthode ça me dit que antidémocratique que en opposition politique t'est utilisé évidemment jusqu'à ce qu'il vienne avec fin yo mais il y a un ensemble de monde jodi qui t'est participé dans processus là qui au pouvoir donc parmi yo Ariel Henry et malheureusement que par rapport avec les croyances ou bien foi président Jovenel Moïse t'est gagné il pas de penser que Ariel Henry t'est capable de participer dans un tel processus mais a priori suivant les indices qui disponible jodi que nous supposons être, donc Ariel Henry semblait participer effectivement à un niveau ou l'autre dans le processus assassinat. Et c'est déplorable. Et si vous comprenez bien, faut que M. Henry t'a répondu à la question de la justice ou pas? Absolument. Faut le répondre à la question de la justice. Faut le dire qu'il y a un rapport lié avec Badjo, parce que pourquoi j'aime dire ça? Il te dit que Badjo était un petit genre incapable pour te planifier une opération aussi sophistiquée. Mais qu'on a folta dit nous que qui niveau et implication et Badjo qui moun qui était capable de planifier une opération aussi sophistiquée folta dit nous jour soir meute là c'est la justice qui n'a pas venir dire ça sous magique 9 c'était bien bon pour dire toi non mais elle n'a pas décidé venir dire ça li gen va dire ça devant la justice pour dire que et jour soir meute donc assassiner le président Jovenel Moïse là qui côté elle était dormi qui ça t'a fait et à qui est-ce qu'il t'a parlé
et qui moun pri sa et badrel tout de suite après assassinat. Son une série de questions. C'est pas parce que on aime pas Ariel Henry, en fait, on s'en moque. La question, c'est qu'en fait, je dis à lui en position de pouvoir pour la prendre une décision au nom de la nation, faut que lui clarifie pour le peuple là qui niveau d'implication, ni qui sale qu'on est dans l'ambre de Jovenel Moïse. Monsieur Joseph Félix Badio, qui citait les mêmes dans audio le fait et les souligner qu'il n'a pas grand-chose de responsabilité dans ça, il y a associé là et parler de complot visant pour détruire c'est sa thèse, mais maintenant il est recherché par la police, mais il n'est pas remettre tête by la justice. Exact. Et maintenant où se dit là c'est un bon pas, ou dit dans tweet ouah dans tweet c'est un bon pas que fait dans enquête là, et moi li dans article Miami là et on focus maintenant sur ceux qui ont financé à côté de 172 000 $ qui étaient levés ou mais l'opération ça c'est des traces formelles de jeunes et ils sont intéressés à ceux qui ont financé et ou quoi que si vous continuez à aller dans ce sens ça gagne d'autres informations qui permettent de révéler d'autres éléments et une compréhension et encore plus c'est des éléments des évidences contre des monde qui n'a participation aux actes qui pas nécessairement reconnu par la justice tant aux États-Unis qu'en Haïti. Nous te sentons très préoccupés, sinon très dérangés par rapport avec le processus enquête qui t'a fait aux États-Unis. Hein. Là, nous connaissons que et l'essentiel du complot a été planifié sur le sol américain et que il y a un groupe, une entreprise clairement qui identifiait, qui participait à la fois qui bat un support logistique, mais qui bat un support tout et immatériel et pour capable permettre et criminel arriver fait que c'est entreprise a relé CPU. Donc Kounia pour américain a enquêté, appareil judiciaire a enquêté et puis nous 19 mois écoulés, moun sa yo pa jam et réellement inquiet, il était très profondément dérangeant. Il était dérangeant pour nous en tant que haïtiens qui est préoccupé par ça qui passé, mais il était dérangeant tout pour crédibilité et système judiciaire américain, en tout cas pour foi nous censés gagner dans le système judiciaire américain. Moi pense que là son gros pas lié, on gros pas dans le sens que il est pas normal pour monsieur Cetelio pata en bas code, il est pas normal pour pas dire que parce que en réalité, à qui profite le crime? Je ne suis pas sûr que le crime n'a profité à M. Cetelio. Il est indexé là-dedans, il est impliqué là-dedans, il est engagé là-dedans, en fait, pour des raisons cupides, pour des raisons matérielles, etc., pour des intérêts matériels. Mais certainement, ça va au-delà de ça. Il y a des gens, en l'occurrence haïtiens, très certainement, qui ont intérêt direct dans la mort de Jovenel Moïse. Intérêt, ça, il y a cas de deux ordres. D'abord, politique et économique. Politique dans le sens que ça qui passe, en fait, il y a un coup d'État et avec un paquet de points là-dedans qui n'ont pas maîtrisé. C'est-à-dire, en fait, son coup d'État planifié pour prendre pouvoir, pour capable résoudre des questions économiques, non politico-économiques, et puis, il y a un mari qui échappe dans le monsieur. Je pense que dans toute planification, il n'y a pas de planification pour et le lendemain, pour c'était même staff, Jovenel Moïse, qui était là, qui était toujours aux commandes. Ça, c'est le premier sac qui échappe dans la mer. Il n'y a pas de pensée partie côté que vous êtes capable d'activer tout de suite dans le mercenaire. Il n'y a pas de pensée partie côté que le peuple a profondément choqué par ce qui passé. Il y a des pensées que le peuple a sorti dans la rue, comme généralement ça qu'on fait. Le bon bagage est passé comme ça, un coup d'État ou bien et les bons meurtres, et puis tout le monde sorti, il a levé branche bois en l'air pour manifester contentement. Donc c'est le contraire qui a été fait. Donc tout ça, c'est un paquet d'éléments qui échappaient dans la main. Mais, machine yon est tellement puissant, ou tout de suite après, donc dès la première semaine, ils ont mobilisé ensemble de ressources pour faire pression, pour écarter un parti de monde et de pouvoir pour capable mettre vrai élément qui était et intérêt dans ça qui passait, vrai élément qui était déjà prévu qui t'après et supposé gouverner. C'est ça qui passait avec Ariel Henry. Ariel Henry était venu dans un chien fou le lendemain après assassinat pour le courir caché, pas oublier j'étais en situation de responsabilité le ça, c'est-à-dire en fait on t'a parlé avec tout le monde, avec directeur
et général la police avec premier ministre, etc. Quelle décision qu'on va prendre, parce que j'étais encore secrétaire général du conseil des ministres, Ariel Henry le cachet. Parce qu'il ne pas comprendre ce qui s'est passé, il a bagarre échappé dans même. Quand Ariel Henry vient reprendre force, commence à brûler les monde, bah pression, dit qu'il faut retirer Claude, c'est lui-même président qui mettre premier ministre, etc. C'est là, il vient contrôle la rue. Mais les bagarres l'a fait passer, elle a caché parce que justement, on avait perdu le contrôle. Donc c'est ça qui passait Où dit globalement. l'aile qui contrôle la rue? Comment le faire qui contrôle la rue? Ça veut dire Alors, l'aile qui l'homme contrôle dit la rue? contrôle la rue. Alors, c'est une manière de parler. L'homme dit contrôle la rue, c'est en fait contrôle de l'environnement politique. Ça, en fait, il commençait par là avec moun, il gagnait deux, trois diplomates qu'il parlait avec, il commence après les moun, et l'entourage président pour lui, il parlait avec des leaders politiques, il commence après les moun, pour dire que c'est lui qui est le mieux placé, c'est lui qui a la légitimité, etc. Lui-même, il commençait par téléphone, il après les moun, pour dire que mais ça pour fait, etc., etc. Donc, il a voulu, en fait, reprendre le contrôle de la situation, parce que la situation était totalement échappée à lui. Donc après, et puis ouais, vous commencez, mais ça, le mal est déjà fait. Il y a des gens qui sont en prison, peuple là, ouais, il n'y a pas qu'à la guerre encore. Il y a une série d'informations qui sont dans la rue, il n'y a pas qu'à rentrer encore. Donc, il y a une partie qui est totalement déraillée. Maintenant, ok, ça c'est parti Haïti. Hein. Donc, le gouvernement, le avant, et la main, il a demandé pour FBI impliqué, etc., ouvrir porte par FBI. Kounia, qui excuse Américain gagné pour ta dire nous que il n'y a pas questionné CTU. Aucune. Il n'y a pas une pièce d'excuse, il est obligé. Quand il y a CTU lui-même, l'index a en bas, quoi, je dis, qui a commandé le meurtre? Qui moun qui mandé nous pour nous participer pour nous avoir un appui financier et logistique? 170 000 dollars, son gros jouet. 170 000 dollars, ce n'est pas quoi pour participer, pour faire une telle action. Donc, cette action, ça a coûté millions. Qui sont les véritables financiers? Qui combien ont payé CTU pour bailler support logistique libéral là? Et qui mounioyait? Et bien à ce moment-là, en fait, nous apprenons que nous rêvons et embrasser une partie importante de l'information qui gagne autour de meurtre là, et puis pour que la justice, en fait, capable et fait travailler, et puis et rendre justice, en gros. Moi, t'en dois avec intérêt. Maintenant, il y a des bagailles qui dit, moi souligner des bagailles qui dit, et c'est la vérité judiciaire qui établira la véracité de ces faits. Et, en tout cas, la véracité ou non de ce qui est avancé, qui était formulé comme ça. Mais dans le rapport des CPJ, hein, les CPJ t'ont indiqué que t'as gagné, les babay chiffres, t'as gagné une forte somme d'argent, en tout cas importante, parce que qui qualifierait, que ce soit forte ou importante, et somme d'argent qu'a le président Moïse. Maintenant, dans le moment attaque là, et gagné, combien t'as récupéré sur les mercenaires? Est-ce que c'est qu'a le président Moïse, il était pris en ligne, et point d'interrogation. Et maintenant, gagné, et on hypothèse que c'est des mounes qui t'as lié à trafic de la drogue qui et t'as derrière ça et t'as vu une chercher on lisse et que président d'après ça que t'as dit dans la presse et t'as pas le soumettre et en tout cas la presse américaine New York Times en particulier t'as pas le soumettre avec des mounes qui dans le narcotrafic et nous ouais et par la suite en tout cas les mois qui ont suivi et des informations partagées sous utilisation de points de territoire là, notamment Saint-Étienne, et pour transporter de la drogue, qu'est-ce qui a été avancé dans la presse. Et entre-temps, il y a eu en parallèle les sanctions américaines et contre des personnalités et politiques et des personnalités du milieu des affaires. Est-ce que dans cette tentative de connecter éléments d'information, ça y est, il y a des hypothèses plausibles qui, ou du moins, qui t'a mérité exploiter, qui t'a qu'à émerger de éléments, ça y est. Mais garder structure de pensée par rapport à tout ça. Non, en premier et partie, dans la question, côté où il fait mention de cette fameuse liste, que, ou en tout cas, que ce document, que ces gens-là auraient voulu et retrouver ce soir-là. Et évidemment, effectivement, moins et gagné, et une version, ça, version côté Vous êtes que. Et monsieur, t'as cherché
un document, t'as cherché quelque chose. Je ne sais pas si c'est un document ou quelque chose, mais t'as cherché quelque chose. Mais malheureusement, pas sûr que. Madame Moïse dit lui-même dans la presse que il a cherché un bagage, il dit nous joignez. Donc il Oui. cherchait quelque chose, mais lui-même il t'a dit par contre ça, il a cherché. Justement. Et évidemment, je pense que version qu'on y a, parce que le président ne peut plus parler, seule version non supposée qu'a fait foi jusqu'à présent, à moins que l'enquêteur t'a dit et le contraire, à partir de l'élément européen, c'est la version de la première dame. Donc, première dame a dit effectivement, et cette version, ça me fait, la donne fait foi, puisque c'est les mêmes qui étaient et là, le crime, non, qui victime tout. Et c'est lui qui dit que a priori on mettait il dit au jeune document. Bon, je dis bah au jeune bagage, mais on ne sait pas si c'est un document, on ne sait pas de quoi il s'agit. Peut-être qu'un enquêteur est capable dans l'interrogation à mener avec les principaux accusés, surtout le monde qui était entré dans la chambre président, t'as capable peut-être et mieux éclaircir si c'est évidemment son information et entendre divulguer parce qu'il y a un élément d'enquête là que a priori il va pas divulguer pour des raisons et X. Donc OK. Maintenant, effectivement, il y a une question et sanctions. Et est-ce que ça a un lien ou pas? Je ne sais pas. C'est sûr que situation pays à jodi est préoccupante. Et bon Dieu fait, jodi et Monsieur Alphonse, là, la parole avec nous. Mais en fait, le pire aurait pu arriver. Et il y a un paquet de monde comme ça, il y a un paquet de monde qui regarde Éric Jean-Baptiste. Comme si comme c'était ça qui connaît. Ça fait une situation qui, dans le pays, qui crée. Lorsque vous regardez pour un nègre qui a tiré sur le monde, pour la plupart, ce n'est pas tout le cas, dans un série de cas, c'est des monde qui est bien habillé, et à bord de véhicules, etc., qui est au commando. Mais dans un série de nègres qui ont des âmes dans les mains et terrorisent la population. Et. On regarde des sacs dans pied, on regarde des sacs, les gens sont habillés, etc. C'est que c'est pas le monde dans la vie qui a jamais espéré et gagner l'argent pour être capable d'acheter 11 âmes comme ça, même mettre des munitions là-dedans. C'est en fait, c'est sûr que grand groupe de monde dans la société hein, qui, pour des raisons avouées ou inavouées, qui est capable économique ou bien politique ou bien les deux, qui a intérêt, en fait, à créer instabilité à travers, en fait, et l'assiègement, c'est-à-dire de Port-au-Prince. Parce que l'objet des points, chaque point Port-au-Prince qui gagne, comme c'est un point central, soit entré ou bien sorti de Port-au-Prince, l'est occupé par une bonne armée. Et rendez-moi fou ou sage, ça, il n'est pas semblé, on fait, et qui dure au hasard. Il n'est pas au hasard, pour premièrement, parce que et volume équipement monsieur ça organe mais ouais pas qu'à procurer c'est pas grand groupe qui dans élite là qui accompagne donc et ils ont pas capable de faire de manière aussi stratégique tout de par eux-mêmes donc grand groupe monde donc monde ça est-ce que et yo dans liste sanctionné est-ce que c'est eux-mêmes tout bon vrai si c'est eux t'as tout bon vrai dans la liste sanctionné je pense que c'est une bonne chose mais c'est parce qu'il faut que la justice fasse son travail. Parce que Maintenant, moi entendez où il y a des gens qui croient et qui disent ah c'est un bail qui est très compliqué gain là et qui est bien maquillé, m'a parlé de monde qui pensait ça, c'est pas nécessairement moi-même, même entendez version ça, il dit président Moïse était grand pile l'argent la Kaili et qui est monde qui dans drogue qui était ami président Moïse, qui vient fâcher avec lui, et son bagage il fait pour aller voir tout lui, et crime là signé pratiquement par des cartels. C'est genre masminel là, c'est comme ça, cartel drogue contre tout le monde, et il était bien à Montaïo, et il trahit, il fait ça. Moi, entendez ça. Et ça vaut pour vous, et conception ça, ou perception ça, et en parallèle, la question, ça m'envie ou dis-nous, qui, par rapport à votre vécu avec le président Moïse, qui te positionne par rapport au trafic de drogue et par rapport à la lutte contre le trafic de drogue? Jovenel Moïse, tout le monde qui connaît le président Jovenel Moïse, connaît que Jovenel Moïse, ce n'est pas un monde qui voulait l'argent à tout prix, à quelles que soient les conditions. Évidemment, comme moi, c'est entrepreneur, moi, c'est que tout entrepreneur besoin et fait l'argent.
Mais je pense que Jovenel Moïse, à travers différents parcours, il a toujours montré un côté éthique par rapport à l'activité entrepreneuriale. Maintenant, Jovenel Moïse, président, et je pense que lui-même a eu l'occasion parfois de dire ça, que bon, c'est le monde qui est dans la société.